appelé, oui. C'est juste pour te demander un service. Je suis prête, hein. D'accord. Je suis tu prête. Es sûre? Je te le dis. Tu es sûre que tu pourras m'aider? Mais vraiment? Qu'est-ce que ma mamie ou de Béanzin? Simplice. Ma mamie ou... Je suis prête. Vas-y, ça, tu as bien dit. Surtout concernant ta santé, concernant la santé de la famille. Je suis prête. Toute la famille se porte bien. Super. D'accord? Allez, vas-y. Ce que je m'avais te demandé, c'est quoi? Tu sais, tu as été mon docteur. Ouais. Et tu restes mon docteur. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. Normalement, ce que tu as fait, tout ce que je viens de raconter là-bas, ça, c'était juste quand même pour te dire que j'étais... Voilà. Ouais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quoi? Papa Miyou ne peut pas enceinter une autre femme qui ne soit pas moi, maman Miyou, que tu connais déjà. Depuis? Et que toi, tu vas suivre cette grossesse. C'est ça surtout qui m'a marqué. Ça m'a fait très mal. Ma chérie, ça m'a fait mal. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Tu devrais refuser. Ou, quand, ou carrément, tu acceptes, mais tu fais en sorte... Bon, ce qui est sûr, Dieu a déjà jugé. Je n'ai plus grand-chose à te dire. Mais ce que je vais te demander, tu as dit que tu es prête pour m'aider, non? Vas-y, vas-y. Tout ça là, c'est passé. Oui, c'est passé. Je te pardonne. On se comprend. C'est déjà... Mais désormais, tu fais en sorte que l'on ne tombe plus jamais enceinte. Tu as quoi, bon? Si, oui, je vais voir nous à fond. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. La personne a déjà, elle m'a déjà quitté. Au cas où moi, quand elle a pris le fuyoir, mon père nous dit il y a deux étions. Et elle est pas comme là, elle a pas sa fille. Bon, elle a perturbé ma fille. Elle vient encore me perturber. Lui, qui est déjà parti, elle va empêcher ma femme. Bon, dis-on, il a signé pour sa fille. Jamais. Jamais. D'accord, je sais que tu peux le faire. C'est parce que je sais que tu peux le faire que je te le demande. Et tu m'as promis de m'aider. Ne compte pas sur moi, c'est ça. Pour ça, ne compte pas sur moi. Écoute, c'est pas vraiment mille respects pour ton mari. Que j'ai accepté que tu puisses finir cette phrase. Un. Et de deux, je suis venue chez toi. Si c'était dans mon cabinet, tu ne vas pas sortir. Je vais te faire arrêter. Tu Parce que tu sais le pourquoi? En plus de tout ce que tu as, de tout ce qui se passe, tu veux être maintenant criminel. C'est ça le mot vraiment. Mais attends. Sanguinaire. Non, écoute, écoute. Il me semble qu'on ne se comprend pas. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Là, je vois qu'on ne se comprend pas vraiment. On va se comprendre, mais là où tu veux arriver, ce terrain n'est pas favorable. Non, 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 tu n'as pas compris. Tu sais, j'ai juré devant Dieu et les hommes de sauver des vies. Pas pour les détruire. Parce que faire arriver jusqu'à ce qu'une femme voit dans le monde toutes les femmes qui sont stériles. Il faut voir l'engouement, il faut voir la pleur. Et maintenant, tu veux qu'une femme qui a la capacité de faire des enfants ne puisse plus. Sincèrement, ma chérie, je crois que notre relation va vouloir. Attends, attends, attends. Non. Tu ne peux pas le faire, c'est ça. Ça ne peut pas se passer. Tu ne peux pas m'aider. Tout sauf ça. Ça. Tu peux tout me demander. Tu ne peux pas t'aider. Tu peux, mais tu ne veux pas m'aider. Je ne peux pas t'aider. Tu ne veux pas m'aider. Le vouloir ou le pouvoir, c'est ne peux pas. C'est bon, c'est bon. Je ne veux pas le faire. Je ne sais même pas. Je ne veux pas. Bonjour, monsieur. Tu n'as pas de diplôme, papa. Comment ça va? Merci à vous. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille, vraiment, elle commence à faire des plans. C'est mon docteur, vous la reconnaissez pas, papa. Elle commence à déchaîner, parce que c'est sérieux. Allez, allez, on a un. Ça, c'est trop. Tu parles trop, là. Je vais
vais m'asseoir. Non, rassoyez-vous. Vraiment que je ne veux. Rassoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et d'abord, nous demandons. Hein? Mamie, on a ses vêtements. Bon, avant les coiffes. Si je comprends bien, conclusion, vous voulez que maman Miu revienne s'installe ici et l'autre, vous allez amener l'autre chez vous. Oui. Donc, Très bien. Nous avons maman Miu, ben nous mettez dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe, maman Miu? Oh là, papa. Et tu la reconnais pas? Très bien, c'est votre docteur, non? C'est voilà. Celle chez qui vous allez vous soigner. Voilà. Oui. Tu sais que c'est elle qui a suivi la grossesse de l'or. Bien voilà. Sûr. Voilà, je l'ai appelée, je lui ai demandé de venir. C'est vrai, elle est arrivée, on a échangé un peu. Et je lui ai dit que je veux lui demander de me rendre un service, papa. Si c'est compliqué, il faut me le dire. Si j'ai tort, dis-moi que j'ai tort, tu es mon père. Je lui ai dit, tout est passé. J'étais fâchée après elle. Maintenant, je la pardonne. On reprend tout à zéro. Mais la seule chose que je lui demande, c'est de faire en sorte que l'on ne tombe plus jamais enceinte pour papa Miu. C'est tout ce que je lui demande de faire. Tu es sûr que c'est tout ce que tu as demandé? C'est tout ce que je lui ai demandé de faire. Tu es sûr que c'est tout ce, c'est juste ça là qui la met sur les courroux comme ça? Mamie, tu me connais très bien. J'aime pas qu'on me mente. Mais elle est là, papa. D'accord. Oh, je ne veux pas découvrir. La seule question que je m'avais vous poser, est-ce qu'elle vous a fait cette demande-là? Elle m'a prononcé ces paroles mortelles. Mortelles? Oui! Avant d'aller pour la doigt, à Djemina Gala, vous l'allez pour l'eau, à Djemina. Avant d'aller pour la doigt, à qui a Gala, vous l'allez pour la doigt. C'est mortel, tu sais. À Djemina. Lui, mais tout le monde, attends, assois. Et moi, je vais partir. Non, non, faut pas partir, attends-moi. Je partirai. Attends-moi. Assois-toi, tu ne pars pas encore. Tu attends mon père. Tu attends mon père. Tu ne pars pas encore. Je ne suis pas dans l'obligation d'attendre. Ce que j'ai amené n'aime pas le bruit. Tu sais que tu es chez moi. Ce que j'ai amené n'aime pas le bruit. Il ne faut pas faire de bruit. Et que vous avez amené des choses qui n'aiment pas le bruit. Voilà. Et je m'en vais vous dire une chose. Regarde dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'ai pas intérêt à regarder. Ah, vous avez peur? Je n'ai pas intérêt. Ce n'est même pas la peur qui m'amène là. C'est votre nom que je vais mettre ici. Non, mais mettez la sauce à l'envers. D'accord. Et je m'avais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont prêté serment dans ce pays. Oui. Et qui ont toujours pas juré, ils n'ont rien eu. Je m'en vais vous dire. Oui, dites-le. Vous avez fait une formation. Il y a des gens qui ont fait des formations plus graves que ça. Oui. Plus grandes que ça. Je d'accord. Ne pas la et ce qu'on vous, pas aussi. Ce qu'on vous demande, c'est tellement petit que vous êtes obligé de faire. Si un jour. Je ne suis pas. Je vous donne 7 jours. Mamie, vous me l'avez dit. Ni de où elle nous déda et qu'on nous déconda. Eh, on dit, il va tomber dans le monde. Je ne sais pas si tu as mis ton nom. Tu as mis ton nom. Ah, ma dame, il a mis ton nom. Eh, oh. Ah, nous, 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 nous,
hein? Mima wande kwe kwe. Mima sol sama redon kwe. Dada, nde na biyo minte. Nou mi djouan wazon. Oh, et tasi san son. Parce qu'on a mêlé, mi dino. Mi bla, et yeso yon komiton. Et là, on a fia. Mima adike non. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Que? Et sur la loi qui résiste cette nature, oui, de la vie humaine, oui, que je ne toucherai jamais. Si jamais je laisse tomber le cadenas là dans ce pot, ouais, là vous êtes cuit sans feu. Je vous le. Donc, vous pouvez même pas seulement mettre dedans, enfoncer. Ah bon? Enfoncer ça dedans. Ah bon? Et je ne toucherai pas à maman. Pas alors. Tu vas le faire contre gré malgré. Elle doit vivre. Bon, Elle doit vivre. Tu ne peux rien. Je vais dire, toi, tu ne avances. Elle fera des doublés, des quadruplés, des quatre-doublés. Non, c'est faux. Tu mens. C'est moi qui je dis, c'est un mensonge. Merci, je te félicite. Sors de chez moi maintenant. Et que je m'en vais. Oh. Allez, vas-y, au revoir. Merci. Au revoir, tu ne connais rien, toi. Tu n'as aucun diplôme. D'accord, tu n'as aucun diplôme. Sors, vas-y. Non, ça suffit, ça suffit. Sors. Au revoir. Sors, tu racontes des bobards. Oui, des bobards. Comment ça? C'est pas considération juste pour te faire plaisir que je t'ai fait venir, que je te demande ce service. Sinon, toi, tu connais quoi? Tu ne connais rien de la médecine. Oui, tu ne connais rien de la médecine. Et c'est maintenant qu'elle va subir les punitions. C'est toi le diable que j'ai rencontré. Ce n'est pas bien ce que vous faites, grand frère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne vais même plus te vous voir. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi? Toi, oui. Ta femme et ta fille. Toute une famille entière. Oui. Vous êtes en train de ronner notre grande famille. Comment? Voilà. Pourquoi ne peux-tu pas avoir le courage de dire à ta femme que ce que votre fille a fait n'est pas bon? Ce que la personne a fait, elle est en règle. Et je vais lui dire que ce n'est pas bon. Nous sommes dans quel pays? Elle est en règle. Nous sommes dans quel pays, Jeto? Grand frère! Maman Miu est en règle, c'est ce que tu dis. Tel père, telle fille. Plus droit que lui, que Maman Miu là, ça doit être Jésus. Ah. Nous sommes dans nos consultations pour le finir. Nous sommes zéro. Et je suis en train de voir. Zéro. Nous sommes sur la bonne voie. Zéro. Rien n'est là. Et toi, et sans bénir, maman Miu. Mais bien zéro. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire tout ceci? Voilà. Tu as fait des déclarations. La petite Laure en question. L'adultère. Mais sous Ito, elle n'a pas pris mes sous. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est chez elle tranquillement. Oui. Quand ta pauvre
fille, maman Miou, a pris ce diable de bouche pour dire à la fille d'aller tester son mari. Ah. C'est ce qui s'était réellement passé. Tiens-toi. Loa, ma fille, laisse-moi te dire, elle a reçu une éducation digne de ce nom. Quand on se trouve devant un problème, auquel on n'a pas de problème, on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? On va à la recherche. D'accord? Et le meilleur souvenir, En ce moment, la fille a eu l'intelligence, d'accord? L'inspiration de se confier à ça, à son ami. D'accord? Et qu'est-ce que cet ami a fait? On appelle ça poignarder dans le dos. Et si tu supportes ça, tu vas mourir très, je ne sais pas. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est grave pour toi. Moi, je ne vais jamais mourir. Aza et Thomas Péa, nous devons nous payer un ouame. Ah non, mais là, tu as un beau gossi. Eh oh, Péreco, la gossi, hein? La gossi, Péreco, hein? Mais là, voici Aziza. Mais là, voici l'idole de la maison, mais on. Bête le télé, le haïe, comme un gossi de la maison, mais. Lorsque l'idole, si y'a famille, à mon yéle, sous jetant, mais si menu. À coup de glace, si ma rala yame. Faut tout dissolver. Non, non, frézard, si n'y a des soirs. Bérecon là, non, et là, et j'ai tant attention si on me le checké. Et là, tant si on me le checké, à droit beau, à droit mi, à droit de beau, comme intimidé. Comme intimidé, il était bleu. Bible, il était bleu. Bonne chandé, vous bloquez. Quel que soit ce que moi, quel que soit l'acte que je veux poser dans cette vie, je me consulte. Je consulte la Bible. J'ai consulté la Bible. Ma mamie, où elle est plus droite que la ligne droite. Donc, tu es en train de fauter, tu es en train de mal jouer. Grand frère. Et c'est extrêmement grave pour grand toi. Grand frère. Léco. Jette-toi, Léco. Sinon, ce serait à tes risques et périls. Jamais. Nous filmons à nos pelipléos. Il faut avoir le courage, grand frère, de dire à maman Miou, à ta fille, maman Miou, que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Écoute, si toi tu as un problème de ce genre, est-ce que Sambéni peut aller voir une de sa commune de venir te tester? Quelle serait ta réaction? Attends, laisse-moi te répondre. À mon nom, il est dégonré ici. Elle ne peut jamais faire ça. Elle ne doit en aucun cas être sous ton prétexte. Le problème est que, grand frère à l'émédier, s'il te plaît, je te demande pardon de sauver notre famille qui est que, dis à ta fille, maman Miou, que ce qu'elle a fait n'est pas bien. On ne fait pas ça, c'est toi-même qui viens de dire que. Et ça, vous incriminez Bibi Mena pourquoi? Vous incriminez la petite là pourquoi? Finalement, mamie, elle est sous carré. Mamie, oh! Ah. Mamie, oh! J'ai rien. Pas moi. C'est à cause de toi maintenant, c'est pour moi. Mais ceux qui ne sont pas à mes chevilles sont en train de crier sur moi. Vois-moi ça, t'as tordu. Qui ressemble-t-il dans tout ça? À sa maman. Elle ressemble à sa maman. Vraiment, c'est vraiment à sa maman. À sa maman, mais ceux qui ne ressemblent pas à mon grand frère. Tu vois? Tu ressembles à ta maman. Comment se fait-il que ça dit, toi, tu as la place, tu as du baba à la place du cerveau. Hein? Toi-même, tu ne peux pas résoudre ton problème et tu vas appeler quelqu'un maintenant et tu es en train de te salir notre nom un peu partout. Ça veut dire quoi? Va comme yo! N'a pas ta noix, Bible, j'ai ta noix, et ta noix, tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Hein? Et tu es devenu, c'est à cause de toi maintenant que Richard est venu de me raconter de n'importe quoi ici. Jean-Pierre est venu ici, et Jean-Paul du moins. Et puis, je suis allé chez eux. Tonton, je m'en vais pousser. Je ne suis pas pousse-pousse.
Tu ressembles vraiment à ta maman. Si je savais, tu ne viendrais même pas au monde. Si j'avais su que tu serais un danger public, tu ne viendrais pas au monde. C'est ça. Partout on passe, on parle d'Alemédia. Le ventru. On parle d'Alemédia, le ventru. Il faut ajouter cela. Le ventru. Et pourquoi qu'on a écouté qui ne t'a pas donné une bonne éducation? Ah bon? C'est ça. Tu vois? C'est ce qui m'a énervé. Qui ne t'a pas donné une bonne éducation alors que notre mère, elle nous a très bien éduqués. Merci. À Oudjopoline, elle nous a très bien éduqués. Tu vois? Pourtant, toi tu es venu nous salir. Tu es venu nous salir pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce que je vais te dire, Beléoum. À quoi toi, toi tu n'as pas le cas de moi, j'ai coupé tout. Tu es cautionné, mais Dai, voilà, Dai. Dai, nous venons, Dai. On a déjà nous côté. Où est ta soeur? Toi, tu es pas fille, garçon de nos filles. Merci. Et toi, tu es pour un bain. 10 filles. Et toi, tu es pour un bain. On a bien bateau. Bon, le sourd, bon, genou. Et là, on dit nous côté. Comment? Et dis-tu, ça ne va pas être un bain. Et c'est une petite. Allez, va, va, bagage. Nous sommes là. Donne-nous comme un poupée, là. Mais qu'a dit ta? Foutou les mots. Ah non, tu vois, La seule idée qui a préparé ma mort comme ça, et Dieu jaillit sur moi. Et je suis sauvé. Elle va encore rester avec moi. Elle va préparer des trucs où je vais manger. Et demain, ma ventre va devenir grossisse. Ça veut dire quoi? Je dis non et je le répète. Elle ne peut pas me stopper ici. C'est quoi la chose? Merci tante pour la bienvenue. Merci beaucoup. Il y a belles lunettes. Vraiment belles lunettes. Et là-bas, ça va très bien. Ça s'est très bien passé. Et mes enfants, ils vont bien. Très bien. Et tonton, ils se portent très bien. Oh, ça fait très longtemps. Ça très, fait très plus longtemps. De 15 ans et je l'ai vu une fois. Au moment de la cérémonie de notre tante là-bas. Tout à fait. Ah, tu as très bonne mémoire. Oui. vous rajeunissez toujours. On dirait que l'âge avance, mais la compétence est toujours intacte. Non, c'est pas intacte, impalpable. Ok, j'ai décidé de faire un tour juste pour intervenir par rapport à la situation de ma fille, de ma mamie. Oui. J'ai entendu tout ce qui s'est passé. Oui. Et sans te mentir, tu as raison. Merci tante. Tu as raison. Merci ma tante. Et tu as parfaitement raison parce que moi-même, mon enfant garçon, sa femme ne peut pas faire ça. Et que l'enfant va rester tranquille. Vous voyez, non. On ne peut jamais mettre un poisson à côté d'un chat. Jamais, jamais. Tu comprends? Elle va plonger sur lui. Sur le poisson, n'est-ce pas? Elle agissait comme moi. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Donc, tu es homme. Et tu as tes facultés au point. Oui, oui. Et tu l'as démontré. Oui. Tu comprends? Donc, c'est pour cela que moi, je... Non, c'est Dieu qui a démontré. C'est Dieu... Qui a démontré? À travers toi. À travers toi. À ma travers. Travestique.
Donc, sincèrement, je te trouve raison. Sans fausse modestie, je te trouve raison parfaitement. Mais à côté de ça, ce qu'on dit maintenant, papa Miu, maman Miu, c'est simple ce que tu t'appelles. Oui. Elle s'appelle Nadine. Oui. Aujourd'hui, c'est papa Miu et maman Miu. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des enfants là-dedans. C'est ça. Tu comprends? Donc, dans un foyer, les enfants aiment voir leurs parents unis. Oui. Tu comprends? Oui. Si papa et maman sont ensemble, les enfants sont heureux, les enfants sont intelligents. Tu comprends? Donc, pour ça, sincèrement, je t'en supplie. Je te demande pardon. De revoir la situation. D'accord? De vraiment revoir la situation pour le bonheur de vos enfants. Trois enfants, ce n'est pas amusant. Vous êtes ensemble maintenant, ce n'est pas quelque chose de 10 ans, 11 ans. Plus de 15 ans. Tu vois, non? Et en fraction d'une seconde, tout s'est dispersé. Tu comprends? Donc je te demande, je suis venue juste te demander pardon. Parce que je ne peux pas t'incriminer, je ne peux pas te jeter la pierre que. C'est toi qui as mal fait. Non, tu n'as pas mal fait. Sincèrement, devant Dieu, tu n'as pas du tout mal fait. C'est ce que tu devrais faire, tu dois faire, c'est ce que tu as fait. C'est elle qui a cherché. On dit, à force de chercher ce qu'on ne doit pas chercher, oui. On finit par trouver ce qu'on ne doit pas trouver. C'est ça. Tu comprends? Oui. C'est ça. Si tu es une femme, ton foyer, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te gérer ça. C'est toi-même qui dois faire face à tes problèmes dans le foyer. Mais dedans, puisque toi-même, tu appelles tes copines, venez voir l'anus de mon mari. Voilà qu'ils sont venus voir. Ils sont venus voir. Donc, merci, merci ma tante. Vous avez déjà tout dit. Mais ce que j'ai à vous dire là, je comprends, je vous comprends. Je vous comprenez bien. Le problème qui se pose maintenant, il me semble que l'irréparable est fait. Comment? Parce que, pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui a marié une femme, et vous êtes déjà marié, vous faites du mariage, vous faites tout, restez là où vous êtes. Si vous avez su, le monsieur a osé et aller chercher d'autres femmes dehors, il n'a pas droit de laisser cette femme-là. Parce que c'est lui-même qui a cherché ça. Parce que ça fait double péché chez Dieu. Donc, on est à deux. Lui-même a allé me pousser et il a tiré le cœur du Satan. Voilà, Satan a réagi avec ses yeux rouges. Je voudrais vous poser une question, ma tante. Si par exemple, vous êtes une femme, si cas pareil arrive chez vous, et si c'est vous étiez à la place de l'or et je vous ai et ma femme a poussé vous et vous êtes tombé dans les pièges. Si je vous abandonne, quelle sera votre réaction? Pour être vraiment franc, comme je te l'ai dit, je vais te dire la vérité. Je ne cesse de te dire. C'est la vérité que je suis venue dire ici. Moi, je ne serai pas d'accord. Si je suis à la place de l'homme, je ne serai pas d'accord. J'ai déjà goûté ça. Voilà. Laissez-la, c'est triplé. Voilà. Alors que l'homme était avec quelqu'un déjà. Quelqu'un déjà. Quand ma mamie l'a arraché de cette personne pour dire de venir essayer quelque chose, elle n'est pas un testeur, je ne crois pas. Voilà. Vous voyez, voilà. Je te comprends aisément. Mais, il y a toujours un mais là. Il y a toujours un mais. Je souhaite, sinon, mon souhait le plus ardent, c'est que revoyez la situation pour que maman Miu intègre son foyer. Si j'étais à la place de l'homme, comme la question que tu viens de me poser, je ne serais pas d'accord. Mais elle-même, si elle s'est couchée, son oreille doit lui parler. Elle doit aussi voir que c'est que l'erreur est humaine. Oui. Ça se passe, ça peut se passer avec elle. C'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Voilà. C'est ça. Et si on ne fait pas d'erreur, même parfois, Dieu aussi fait des erreurs. Sinon, il n'aura pas. Les bostus. Voilà. C'est une erreur aussi. Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment l'excuser. Il faut revoir la situation pour que maman Miu intègre son foyer. Pour le bonheur de vos enfants. Tu vois, les enfants sont là maintenant. Je n'ai pas réfléchi, ma tante, mais je suis prêt à réprimer maman Miu. Mais pas comme ensemble.
je suis prêt à lui louer des chambres, ou bien elle va rester à côté de ma grand-sœur, ou bien chez son beau-père. Mais lui, elle insiste qu'elle va s'installer ici. Alors que tout le quartier sait déjà que l'or est installé ici. Maintenant, pour chasser l'or, ou bien pour dire à l'or d'aller quitter ici, là, c'est ça que je suis en train de... Vraiment, je vais réfléchir sur ça. Tante, je vais vraiment réfléchir. Oui, si tu sinon, c'est, ça me gêne le cœur. Et ça, c'est comme si je l'ai laissé en l'air. Je le foudre. Je ne sais pas comment je vais. Je te comprends. Mais ça, c'est tout comme si tu l'as laissé, tu l'as abandonné. C'est ça. Parce que si l'autre s'est installé fils maintenant, oui, l'autre ne peut plus rentrer ici. Vous voyez, non? Et quand est-ce que. Alors qu'avant, elle me contrôlait. Quand je rentre à 19h, c'est des problèmes. 19h30, c'est des problèmes. Quel temps que je vais avoir pour passer chez l'autre avant de venir ici? C'est pour cela que j'ai dit, bon, comme vous ne m'avez jamais demandé de faveur, je réfléchis, c'est reçu ça. Pour voir ce que ça va donner, je vais confier ça à l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint a parlé dans mon cœur, ce que l'Esprit Saint m'a demandé, je le ferai, ma tante. Okay, et vous ne serez pas découragé, déçu. Merci. Par la grâce de Dieu. Et l'Esprit Saint va te guider dans ta réflexion. Merci, pour que tu opères le bon choix. Merci, ma tante. Pour que tu puisses faire ce qui est dans mon cœur. Merci, ma tante. Que maman Miu intègre son foyer. Merci. L'Esprit Saint te guidera. Merci, ma tante. Infiniment merci. Merci. Et réfléchis. Merci. Réfléchis comme tu l'as. Merci, ma tante. Très okay. Gentil puisque papa. Infiniment merci. Vraiment, lui, il est brillant. Non, il c'est sa nature. C'est ça. Il est brutal. Oui, mon grand frère. Et souvent là. Et il bourdonne. Voilà, c'est sa nature, c'est sa nature. Ah, vraiment, il m'a trop chauffé. Oui, c'est sa nature, il faut le comprendre. Merci, ma tante. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander à papa. Ah, je vais demander à papa. On peut vous préparer quelque chose, Non, 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 merci. Merci, d'accord. Une autre fois. D'accord. Oui. La vie est déjà belle ici comme ça. Bah, tu viens beau drain fort. Hein? Tu viens beau drain fort. Merci, oui. Non, attends. Laure, tu pensais que j'allais te laisser t'installer chez moi aussi facilement? Non, hein? Tu ne peux pas rester ici. Il n'y a pas de permission de faire pour moi. Ici, c'est chez moi. Tu venais chez moi, bon, verrou, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, tu m'enviais, tu voulais de moi. Mon mari te plaisait et tu as tout fait pour occuper ma place ici. Tu n'as pas ta place ici, hein? Tu vas retourner d'où tu viens. D'où tu viens là, tu vas retourner là-bas. Ici, ce n'est pas chez ton père. D'accord, ni ton grand-père. D'accord? Tu vas dire que votre grand-père, mais pour maintenant là, à dire votre grand-père, ça va venir. Votre grand-père, ça va venir. Non, tout ça là, ça va finir. Rassure-toi, on est presque à la fin. Hein? On est presque à la fin. Tout ça là, ça va finir. Et c'est déjà fini même. Ce n'est pas que ça va finir, c'est déjà fini. Là, je suis là maintenant là. C'est déjà fini. Tu n'as plus rien à faire ici. Monsieur Simplice. Oui. Là, là, ça commence pas à me dépasser. Tu comprends? Ta dite femme, nous tournons les yeux. Et on les voit qui sont en vous. Et pour que elle ne me fait pas sortir de mon gon, et Timmy, Dieu, on va gérer. Maman, il y a un moment où on peut m'aider. Parce que, fille de Dieu, est dépassé. Et puis, tu vois, on va pouvoir gérer. D'ailleurs, c'est le bon. Maman, en tout cas. Madame Simplice. Madame Simplice. Là, tu as changé. D'abord, dis-moi, qui est cette femme là? Dites-la, c'est qui? Pose-toi la question. Dites-la, c'est qui? Hein? Nous, à tout le monde, on dit, tu ne peux pas m'attribuer ce mot-là. C'est parce que ça te correspond bien. Dites-la, ça te correspond bien. Attends, Laure, vraiment, tu es sans doute une prostituée. Hein? Il n'y a pas de doute à cela. Tu es vraiment une grande prostituée. À 10 mais bon, fille de mon mari, de la fille, non, encore elle est là, de haut, fille de nous, bon, on va récupérer, oui, bon, verra, on l'a quoi, sinon, on doit être à 10. On va m'avoir récupéré, oui, et tu m'as suivi. Bon, le gomène, Michel, on va le tuer du cabot à ton fier, bien. Là, tu vas partir.
Tu peux appeler Simplice. Tu peux appeler Perzin. Tu peux appeler quel nom tu veux. Tu vas partir, rassure-toi. Nadine, n'est-ce pas que tu es là? Pour que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Amassi, tu es là. Amassi, Chloé, tu es là. Et si Chloé, tu es là, tu es là. Si tu es là, 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 tu es là. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils 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 ont fait des choses. Je t'ai appelé, comme il y a toi, nous. Nous, déjà, nous, là, il t'aime. Mais les enfants, maman, il faut pas vivre ta femme. Maman, il est ton mari. Maman, si. C'est toi qui as provoqué tout ça. Je n'ai rien provoqué. Et si tu ne me respectes pas tout de suite, je te gifle. Ah, je te gifle. Tu as dépassé les bornes. Je suis prête à tout. Ma chérie, tu as dépassé les bornes. Je suis prête à tout. Je dis, tiens, je ne sais pas ce qui te fait mal. Je suis prête à tout. Ce qui te fait mal, là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es si blanc. Tu es un peu simple ici, comme il y en a nos cabots de vie. Ah, l'autre, c'est ça. Il y a des bois. Il y a des dents. Mais on verra bien. Quand tu es. Moi, tu n'es que carré. Oui, oui. On tourne si vivant, oui, déjà. Ni ado blon poka blon ponde nane eh ti ha karu poka poka blon pro ni pou le blon 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 ntali ga nuwe ntali ga nuwe tu as fait ce que t'as demandé. Je vais rester ici du matin jusqu'au soir. Wa te we de na ton tache de yo no no blon wa blon we wa to ya ti ogba na na ton de atara wa ro fi ya kaka wa na de tito lo je akoro gba me ro domi ton de na o diwe ko ko gba me ton ya le gba wa na wuro ta ro do gba me ne na fi ya Mama, 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 Alors, non, elle s'est filmée, elle a filmé, madame Ranière, on a filmé. Je vais te montrer que ça là, c'est tout devant 80, 100, 80. Y'en a Chloé. Moi, tout le monde, nous étions. Ma chérie. Nous dit, attends, go de wa yo. Mon fils, nous n'allons pas de vous. Et dans la jambe de vous, mais le vide, il n'y a pas de sec, ben, tout le monde, c'est vite, si vous m'avez dit. Donc, pas mes filles. Fille, aïe. Ah, mon petit, ya. T'as tout le monde, mais n'y a. Et quoi, les quoi? Mais là, y est. C'est quoi toute cette connerie là? Non. Ça c'est. C'est même ma soeur, c'est pas de la ma soeur, c'est mieux. C'est l'homme. Il est bitoué, ma soeur, c'est l'homme. Non, regarde-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit là. Donc, tout ce que tu es en train de raconter depuis là, c'est pas entré dans tes oreilles. Là, tu es en train de. Tu n'as pas compris. Tu es en train de discuter. Je dis, madame, il vaut mieux pour toi que tu partes en même temps. Je ne sais pas ce que tu attends. Vas-y en même temps, sors et là, il y en a où. Parce qu'il faut nous jaser aussi rien. Asia, oh, c'est plus. Dites-moi, vous faites tout ça dans la salle. Tout c'est plus ne peut rien me faire. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah ah ah, alors là. Vous arrivez. Merci. Vous cherchez quoi? Pardon? Vous cherchez quoi ici? Je suis venu chez moi. Chez vous? Oui. Chez vous? Bien. Mais pas comme avant. Qu'est-ce qu'il y a avant? Avant là, c'est quoi? C'est quoi avant? Qu'est-ce que vous mettez d'avant? Qu'est-ce que je peux comprendre d'avant? Est-ce que tu m'as appelé avant de venir ici? Monsieur Simplice. Oui. Je suis monsieur aujourd'hui. Tout ce que tu veux. Mm-hmm. Je viens ici là, c'est chez moi. Je sors d'ici quand je veux. Et je reviens ici quand je veux. Je n'ai pas à avoir ta permission avant de venir ici. Je ne suis pas tenu d'appeler qui que ce soit avant de revenir chez moi. Là, madame, vous vous trompez. Parce que la maison a été construite par Benzin Simplice. Oh non! Et je n'ai pas construit ma maison pour que les gens sortent quand ils veulent et rentrent quand ils veulent. Rectification. Ils... Non, non, non. Rectification. La maison n'a pas été construite par Simplice. La maison a été construite par... Monsieur, le couple Benzin, maman Miou et papa Miou, c'est ça même. Cette maison a été conçue par le couple Benzin. Je ne refuse pas, madame, laisse-moi te parler. C'est pas blablabla comme tu es en train de dire, c'est pas ça. Je te connais. Tu es revenu sans flingue.
Aujourd'hui. Et moi aussi, je dis, je reviens. Aujourd'hui. Sans frein. Aujourd'hui. Quand tu démarres, je te suis en même temps. C'est aujourd'hui, non? Laisse-moi te faire comprendre que ici, là, personne n'était pas chassé. C'est toi-même qui as commencé tes blabla et tu as ramassé tes bagages et tu es parti. Laisse-moi vivre en paix. Je ne veux pas de problème. Tu m'as déjà offensé. Je suis à l'écart avec ma petite famille. Ne me mélange pas encore la tête, madame. Sinon, vous aurez le craquement des dents. Je n'aurai rien. J'en ai assez entendu. Qui a offensé qui? Je te demande. Qui a offensé qui? Tu es venu gérer ma femme. Tu es venu gérer ma femme. Ça veut dire quoi? C'est qui ta femme? Tu es venu gérer ma femme. C'est moi, papa. Oui. C'est ma femme. C'est ta femme là. Oui, je suis ma domestique. Domestique, il n'y a pas de problème. 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 Elle reste domestique dans cette maison. C'est toi. Laisse. Monsieur, tu n'as pas le droit de faire ça là devant moi. Tu es une chienne. Ne me provoquez pas. On s'en fout de toi. C'est la chienne. Tu es une chienne. C'est la chienne. On s'en fout de toi. Tu crois ça vous deux qui font ça? Mais tu crois quoi? Mais où est-ce que tu vas? La domestique se tait lorsque je parle à mon mari. Tu te tais lorsque je parle avec mon mari, d'accord? Écoutez, Bagbawa dit. Merde. Donc tu te tais, d'accord? Madame, tu te fais du mal, parce que tu me fais du mal. Et là, il y a tel dogme, mais je n'ai pas peur de vous, mais je m'en fous. Je suis dedans. Tout ce que je vais manger est dedans. Point là, il tient, il est payé le horrible. Il y en a un américain qui est ici avec sa petite famille. Tu ne sais pas ce qu'on appelle petite famille, hein? Vide yi pon we bo ya li le mi ton na go a vie ton ko
Où can il s'adore? Dia le kwadi. Mano fide ye zena we blue. To ti 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 ko to apada. E ma fadi we popo e do ibi do ni amu pede bo e do na time to e. Ni e popo eno Ghana kan bi e. E ma po mere sinu kunji po ni ma te ndo mo kun dagbe mo nkan to metron. Bo iya te po baba te po wa hen ni e po blade we po do ayin gigoto. E ka yan do fi legu. An le ko wa bo bi agban te wa. Bon, bon, you to a paid or may walk. I see si we're going. May I, mon frère? Lord, I didn't tell him. I'm not going to be a man. Et le big bang, le coco, le mamba, on a séa. Donc, on a un jazzy. On a mis un mot du doto à dire. Il va dire, mon ablon, nous go, à cala, et noté. Et toi, il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps. Nous la soupe votre progressif, nous la soupe votre force. Ne me quittez pas maintenant. Moi, on va masser les nouveaux. En donnant votre tout élevé, moi, je dois. Bye. Bon, son l'on a de vodi. Nous t'ont dit, y'a pas une venette. Oh, ou pas une amoude. N'y'a pas de gang, y'a pas de temps. Mais y'a pas de dia. Bon, dis, et la soye, bon, so goa, bon, goa, non, bon, mais. N'y'a des filles, ma gueule, mon vie, t'es ma gangbo, assisi. Quoi, l'on est qu'au diaïne. Y'a les temps, ouais. Amon, ou ben, moi, ouais, son. Où est-ce que tu es? Tu es en plein son sur le pas. Tu es en plein son. Non, 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 non,
Pour tout le respect que je vous dois, maman, votre respect aussi, ma grande soeur. Si ce n'était pas vous qui êtes assis, n'a pas de parce que et cette dame que vous voyez, votre fille, vous l'avez bien éduquée. Mais elle déborde. Elle vous a honni. Ce que je vais vous demander, je peux partir. Parce que je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais qu'elle revienne. Lui que je croyais qu'elle est déjà amortie. Elle est encore en bouche. Elle est le Tanti. Nadjo Pedoni. Chérie, donnez-moi 2 minutes. Là vous allez. Non, on t'a laissé déjà à la maison. Il faut manger la maison. Mais tu vas me chercher. Tu vas me chercher comme truc là. Non, jamais. C'est toi qui vas revenir.
Tu vas revenir ici chez moi. Alors j'ai appelé mes filles et ça m'a pas parlé. Alors j'ai appelé mes filles. Voilà là. Et le hold up. Clé de la honte pour le hold up. Mon nom est là. Et tu as des clés. Mais j'ai mis des temps. Et tu as des clés pour le hold up. Mais pas de chibre. Il y a une voie de l'eau là. Mais là tu n'as pas beau. Pour le gros ton tas. Bravo. Vraiment. Je ne te savais pas si intelligente. Très même temps. Vraiment, je l'ai su maintenant. Que tu es très intelligente. Je suis très intelligente. Oui, parce tout à fait. La façon dont vous avez géré l'histoire, la réunion tout à l'heure là, ce n'était pas bien tant. C'est vrai que j'ai tort. Ah, tu as tort. Mais c'est pour le Dieu, mais que couché pour son bon ton haïo de Kunto. C'est ça. Lorsque tout le monde parlait, c'est vrai, je faisais du bruit et tout, mais est-ce que je l'ai insulté? Vous étiez là, est-ce qu'elle m'a insulté? Tima, Poulon, réaction terminée, mille réactions des bois. Bon, on a reçu ballon, il vient de la zone de quoi? Et là, quoi, mille, je l'ai bon, c'est un ballon, c'est un ballon. Mais il faut qu'on ballon, Gueton. Ce n'est pas la petite, elle n'en est pour rien. Aïe, on a un ballon, tout. Quand est-ce que tu as un ballon? Quand est-ce ballon? Quand est-ce que tu ballon? La petite n'en est pour rien. Pourquoi tu t'accroches à elle? Est-ce que, excuse-moi, est-ce que toi tu peux être là et que la petite soit, va être en train de s'inquiéter ta maman et l'or? Celle-là, elle n'est pas une petite. Ok, la grande alors. La ou bien l'or, ok. Je ne sais pas, mais elle n'est pas une petite. Est-ce qu'elle peut entrer d'insulter sans bénir ta maman et que toi tu vas rester tranquille? Je n'ai pas insulté sa mère. Vous avez entendu ce que sa maman a dit? Ce que tu disais à sa maman, c'est quoi? Vous l'avez entendu? Ce ne sont pas des insultes. Vous l'avez entendu? Si, je l'ai bien entendu. Ici, c'est chez Béanzin. Mon mari, il est Béanzin. Mm-hmm. Et moi, je suis Madame Béanzin. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Elle est quoi? Elle n'est pas Béanzin. Elle est qui pour venir donner des ordres ici? Non, si je dois retourner chez mon mari ou pas, et il y en a dans les coins, il doit vous dire à lui, il y a comme mon filet pour voir, m'entend, et qui nous fait bien, on va dire, on va dire, ni un moment. Aïe, aïe, ton père donne d'accord de rien à dire de fumer. À mon nom, tu vois. Maintenant, comme toi-même, tu as résolu ton problème et que tu as trouvé la solution, c'est déjà bien. La pauvre personne que je suis, moi, je vais demander à partir. Parce que tu es si forte et qu'à la dîner, à coup de ronron, tu n'as pas ta tête. Je n'ai pas peur. Voilà. Lumière, je ne crains personne. Mm-hmm. La seule personne que je crains, c'est mon Dieu. Ah bon? Et j'ai confiance en lui. Moi, je l'adore, mignon. Je m'en fous. Pourquoi? À quoi nous avons encore d'avouer? Ni ma, moi, je me dis que nous, des wahis, nous piglés. Bon, tiens, et Milona, maman, il faut s'en aller, papa, il faut pas bon, l'autre, j'ai un fini. Et mais, bête, si d'autres du noir, d'autres, vous avez bon, avec moi. À moi, quand on coupe mon cacao, mon dans nos big blé, viens aussi, mon dans nos big blé, ouais. Et quand sinon, fin de semaine, donc on finit où? Et le papa m'y aide, maman m'y ouvre. Et là, son bain de attend, ouais, aussi. Mais quand on coupe d'abord, nous y aller. Nous, si t'as pas jamais dit, on y est tout moi. C'est ça. Et nous, toi, on a dit, il est là où tout le monde. Mais bien, mais tu as mis d'eau. On a tes bacs, moi, des nablogs. Eh, ne, à quand on perd le temps. Et non, tu étais pour le haut de bois, mais toi, tu dis, non, ça, non, assez, non, non, ouais, eh, ne, non, tu es si goué à nous. Bon, des blocs là, nous faut faire bon. Bon, il est tout coupé, donc pas mal, mais bien, il y a quoi, puis là, des cons. Bon, des ou des sous. Et quand il est simple, ça. Tu veux dire, nous voyons de quoi il y a un agneau. L'autre, là, le couteau, c'est simple, ça. Hey, tu vas me demander, moi, bon, là, non, il attention, les gens, ils ouvrent. Toi, il peut être d'accord. Là, on va voir, là, on va voir. Là, il n'y a pas vous dire. Nous devons nous débrouiller à son accompagnement.
Mon ami, comment? Colin, ça va. Vraiment, j'ai beau réfléchir hein, par rapport à tout ce que tu m'as dit. Ni ta mère, caca, je ne peux pas laisser faire, mon frère. Attends, tu ne peux pas laisser faire? Je ne peux pas. C'est que il faut que je récupère ma femme. Parce que quand il y a dormi, il y a une jodo, certes, il y a une mais. Rien dans les voisins, dans les bleus, fait. Oh, mon ami, où? Attali. Où est-ce que tu as fait? 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 Où est-ce que le bari bale kan iwe gogan no ni atari eh ko tara mi ni eh no no do do ara ko tara ni aji nu chon wa enu eni o de blow ya o fofo mi ton de wa o mama yo wa be eh kaka je fi din o kaka je fi mi de video kun ko mo do mi bele bele wa mi da o tun wa wa kaka je fi jono wa de bo papi ko wa fi me je no ji don me bi e fun ko to ji don yi kanji ngbe atari toro poro ge on tu ene si me maybe not ruby the way of wet on a poor girl, could they wet their phone? She tumbled down, could do cherry to me fear, and her so told me, but I put her on like a can with the attack. Well, you hope you do. Hm? When they made a poor did the way, and say, be say, yes, so why am I young, where do I chill and what have you? No, I let who let a poor cocoon. Bomber, eh, feed a timber in a swore, coaching your bock, or eat the moon, or let me say, I was the poor signs of ever, who feed a timber hotel in the town. As I have the poor signs of the Sinkoa. Nous ne l'avons pas yo. Et t'es fou. À ta vie, vous comme vous. Non, quand tu es toi, non, c'est vous. Nous ne l'avons pas yo. Nous pour les pauvres, nous ne l'avons pas yo. Et ouais, il doit être un jour au but. Bon à bien, vous aimez. Mon ami, vous êtes. Ami, vous êtes un peu clair. Bon à Dieu, nous l'avons dit. C'est d'eau. Eh, si vous voulez, vous avez des filles. Bon, et bien, à ton body, doit y avoir. Ne vie, autant de l'or et non, il y a. Bon, il y a même les vialis, body, d'eau, bébé, valise, vous voulez d'eau. Nous sommes mon couteau, mais caca, ton yé. Je ne sais pas si tu es un homme. Mais tu vois. Et maintenant, ni nommé des dignes pour dire, je te jure, nous avons tout le monde en premier. Nous sommes en sorte de faire des bouts noirs. Quoi nous raconter à des finales?
famille mon coton de vous sortez avec un bandit fille. Mais il benou, ho, big bré doit de sin, mais on a y bina. Neko jo, bon mercoi, caca bon mon ho. Bon meliose, bon rouzou, bon quitti de mon bourran, bon finet. Tu as renvoyé menon. Eh, en l'envoyé menon. Après tout bon, yepo, yepo, allo yepo, assis, ton popo, assis, ou ton po, mais bicou, ton bon boyo, rote en domi. À la rote tout à l'heure. Mais de oyi. Mais non, et bon, et il y a sous ton couille. Non, ce n'est même pas ça. Hein, quoi? Alors, mais je veux dire, il y a une main, il y a quoi pour si t'es tiré. Bon, nous pouvons nous faire. Et d'après, mien. Ada, ça n'a pas le pied de bouffon. Papa, il y a un cacao. Et là, 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 il y a un bon, tu as joué ça, déjà, y'a quoi, et t'as oui. Et on doit tirer nos bouquins. Non, eh oh, non, pour les pauvres, mais après, à ta vie, je peux donner, c'est à mes deux sourds. Papa, mais moi, je n'ai pas de bon amour. Eh, mais quelqu'un, il doit nous voir, il y a un bon étudiant. Il est sur un peu de clomé, mais dis d'un des bouquins, mais à ta vie. Dis d'un des temps, mais bon, après, là. Alors, n'a pas de nouveau, je vais faire bien, on te voit, on veut, à bien des hommes, là. Ah oui, dis-le. Ah oui, ah. Parce que nous, nous avons de roi, nous avons de roi. Voilà, nous avons de roi. Nous avons de roi. Nous avons de roi. Puis quand elle m'appelle en ces derniers temps, je constate que nous avons de roi. Mon roi, il y a du regret dedans. Mais une faute avouée est à moitié pardonnée. Dit-on. Bon, donc, on ne peut pas dire que nous avons de roi. Nous avons de roi. Non, c'est trop dit, mon frère. Non, c'est trop dit. Ok. Merci. Nous avons de roi. Nous avons fait des choses. Donc, conclusion, affaire de Renou, je ne veux pas entendre. Nous sommes balancés des bois. Maman, Yana. C'est moi, maman, Yana. Maman, où? Comment tu vas? Ça va bien. Tu vas bien? Ça va. Oh, et mon enfant? Il va bien. Il va bien, il se porte bien. Regarde-moi son visage. Mignon garçon. Et votre papa? Il va bien. Il n'est pas là. Il est sorti. Oui. Vous n'auriez pas vu Papa Miyu et sa nouvelle femme-là. Papa Miyu? Oui, ça fait des jours qu'il a quitté la maison. Et j'aurais appris qu'ils sont venus, qu'ils se sont installés chez vous ici. Ah, ma collègue, j'ai entendu vous rien. Oh, maman, y'en a un autre à quoi là, c'est vrai. Ah, ma collègue, j'ai entendu vous rien. Maman Miyu, si tu regardes maintenant deux chambres à coucher dans un salon, où est-ce que je vais encore mettre un couple là? Maman, Yana, il m'a dit que vous donnez. Et vous donnez assez. Et ma soeur, tout tient. Et la blonde, mon mère, et vous jouez de bon modèle. Et vous jouez de bon plat. Il y a une vidéo, il y a autant de choses. Il y a une vidéo. 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 Il avec tout ce que toi tu as dit dans cette maison-là, enlève-la de près de Ronnie. Maman, il y en a un peu de temps. Tout ça là, c'est passé. C'est parti du passé. Mais où mets-toi, non? Mais ouais, tu ne vis pas, non? Tu es assez. Hein? Il y a un seul temps, toi.
Je peux la récupérer. Moi, on a gagné. Je peux la récupérer. C'est aussi simple que ça. Paulin. Ah. Paulin, tu te trompes. Hein? Eh? Tu te trompes. Ou à finir dans nous. Ah bon, y'a un dépôt pour y aller. Même si mettez l'amitié, mais. Bon, y'a un autre pour y aller. Boudan. Bate zéro détail, yaya. C'est quoi pour y aller tous les coups? Bon, nous, on a dit, pour y aller tous les coups. Nous, on doit définir, on sait quoi pour y aller. Bon, on a gagné pour y aller. En zéro, vous êtes un pays. Non, vérité, nous voyons, en zéro, vous êtes un pays. Mais quand on peut, c'est quand on est tout, mais. Eh, mais il doit que je commune là. Amanak manikpo, anak manikpo. Et un problème crito ton. Mais et danu ba du tien crito tu le kodu. Rien tu le kodu. Nous mais c'est rien tu le bi kodu. Nous na dieu na dieu et wa ja yan kwa ma fun. Ben ko do ba nous non do. Tu fin bo ri là. Ah non, fin ma di do. Yo do tien we. O mo ke tu le tu la je yo do tien we. Yo tu. Wa do tan tia. Wo ye lo kwa me fin en dia. Hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, papa Dieu, mon 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 Dieu, tu la fiade. Assez à mon Dieu, ma vie est remplie de problèmes. J'ai voulu aider ma copine et voilà là où j'en suis aujourd'hui. J'étais devenue une femme comblée auprès de Paulin. Mais pendant 10 ans de vie commune, je ne suis jamais tombée enceinte. Ma vie est devenue une tragédie depuis que cette diablesse de Maman Miwa est rentrée dans ma vie. Seigneur, que faire? Que faire? Voilà que c'est par ce acte posé avec son mari que je suis tombée enceinte. Que faire, mon Dieu? Vu que j'ai fait une fausse couche, retourner auprès de mon ancien mari ou bien rester? Que faire, mon Dieu? Quel dilemme! Ma vie est devenue un dilemme. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Je ne sais plus quoi faire. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'ai plus la paix du cœur, mon Dieu. Que faire? Que faire? Que faire? Thank you.